Guerlain is geboren en getogen in Tignes en een ware beroemdheid. Hij houdt ervan om de dingen toch een klein beetje anders te doen. Toen we te horen kregen dat hij in het land was, nam ik contact op en voor we het wisten, stonden we in een van zijn toch wel redelijk exclusieve chalets die hij verhuurt vanaf, en let nu goed op, 30.000 euro per week. Kijk het maar. Ja, we moesten hier te voet een berg op. Want ik ben vanavond uitgenodigd bij een hele speciale kerel. Iemand die werkelijk van alle markten thuis is. Profskier, rallypiloot, heeft meegedaan aan Dakar. En tegenwoordig doet hij iets in immobiliën. Bonjour, monsieur Chicherie. C'est ça. C'est ça? Ouais. Enchanté, ben Roland. Salut, bienvenue. Guerlain Chicherie is de bekendste inwoner van Tignes. Het is een waaghals die naam en faam maakte als profskier en rallypiloot. Maar het meest is hij bekend vanwege zijn recordpoging om de langste sprong met een wagen te ondernemen. Ja, een recordpoging dus, want die verliep het niet helemaal zoals gepland. Vandaag houdt hij zich vooral bezig als interieurarchitect van exclusieve chalets. On se retrouve ici dans le premier chalet que tu viens de finir, c'est ça? Un des premiers? Ouais, ça c'est un des premiers. Ça c'est un des premiers que j'ai fait. J'ai commencé en 2012, celui-là. Ouais. Et je l'ai fini à peu près en 2013. Mais en fait, il n'a jamais vraiment été fini parce qu'encore maintenant, je suis en train de construire la piscine derrière, la salle wellness. Donc tous les ans, je rajoute un peu plus. L'année prochaine, j'ai encore un autre projet sur le côté. Là, je viens de poser un permis de construire pour faire encore une salle de jeu pour les enfants, une vraie salle de fitness. C'est mon premier projet, c'est celui sur lequel j'ai mis le plus d'énergie. Et là, c'est très personnel comme chalet. Oui. Et donc, c'est vrai que tous les ans, j'ai envie de le continuer à le faire progresser, améliorer. Partout où tu vas dans le chalet, si tu veux, tu rencontres, tu vois tous mes trophées, tu vois, en fait, c'est beaucoup d'inspiration de tout ce que j'ai connu dans mes voyages, des compétitions que j'ai faites en ski ou en automobile. Et donc, les gens, quand ils viennent dans le chalet Kézac, c'est vraiment chez moi, c'est vraiment dans mon univers. Super. Ouais, ok, bon, c'est pas gagné, quoi. Non, c'est pas gagné. Non, mais c'est sûr, on voit tes trophées qui sont derrière ici. T'as fait quoi? Mais c'est incroyable. T'as été où? T'as été partout. T'as fait Dakar. T'as été pro skieur. Je vois des rallyes. Si c'est extrême, c'est bien. C'est ça? C'est à peu près ça. Exactement. Pourquoi? C'est comme ça. J'ai toujours aimé, entre guillemets, l'adrénaline, la prise de risque, c'est toujours un truc qui m'a toujours attiré. Et même quand j'ai fait des chalets, en fait, l'idée, c'était pas de faire des chalets conventionnels. C'était une fois de plus, il y avait une prise de risque parce que les chalets qu'on voit ici sont tous très différents. Et on en a fait des autres qui sont vraiment très, très fous. Est-ce qu'on en avait besoin d'avoir quelque chose de différent? Bah, Tignes a toujours été différent, en fait. Si tu veux, Tignes a toujours joué la carte de la différence. On a toujours été très... très dynamique à Tignes et je pense que pour prendre place pour ce type de projet un peu fou, il y avait rien de mieux que Tignes. Ça là, faut pas filmer celui-là. Ça va pas. C'est quoi? C'est sûr que c'est pas donné, c'est pas pour tout le monde, c'est pour un certain budget sans doute. Alors je vais te dire oui et non. Pourquoi? Alors ici, le chalet Kézac, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde parce que malheureusement c'est très cher. C'est très cher pourquoi? Parce que déjà le chalet il fait quasiment 1000 m² maintenant. Enfin il fait 800 mais il fera 1000 m² l'année prochaine. Il y a 6 employés à plein temps donc forcément qu'il y a un coût pour ça. Ouais. Mais si on prend, alors il y a des semaines qui sont extrêmement chères, qui sont à 50-60 000 euros, il y en a 3 semaines comme ça qui sont très très chères. Mais si on prend la semaine moyenne, en gros on est à peu près à 25 000 euros. Mmh. Il y a les nourritures, il y a tous les petits déjeuners, il y a les repas du soir, il y a la voiture avec chauffeur. L'hélico, le butler. L'hélico, il est là, mais c'est en surplus, c'est pas dans les 25 000.
C'est fou ce que t'as fait avec le chalet, c'est sûr. Ouais, bah, l'idée c'était ça, c'était de surprendre. Et ça, c'est vraiment l'entrée du chalet où vraiment les gens rentrent dans le chalet. Ouais. Et donc là, il y a Mister Pingouin qui est là. Ouais. Je l'ai fait rouge parce que justement, je voulais vraiment qu'il attire l'œil. Et là, je lui ai mis un collier très spécial pour moi. Parce qu'en fait, ça, c'est une voiture de course. Quand j'ai fait le Dakar en 2014, qui a pris feu. Et donc elle a complètement brûlé, c'est-à-dire qu'il ne restait plus rien du tout. Et en fait j'ai récupéré juste un petit morceau de la voiture en souvenir. Et du fini coup, la course. Et comme le Kezak ça raconte un peu toute ma vie, toute mon histoire, du coup ben, c'est ma voiture de course qui a brûlé, elle est autour du cou de Mister Pingouin. Dus die kerel die heeft dus een Maserati motorblok laten binnenbrengen via helikopter in zijn eigen chalet hier in de bergen van Tignes. Volgens mij is hij gewoon een beetje op zijn kop gevallen. J'ai dit que t'es très gentil. Ouais, très sympa. J'imagine.